C'est bizarre parler en français là. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Ella, mais je trouve que Ella c'est un peu bizarre de dire en français. Alors si vous voulez, vous pouvez m'appeler Gabriella parce que c'est mon nom de naissance, voilà. Je me suis réveillée ce matin avec un désir, mais vraiment fort, de faire une vidéo en français. Je sais pas pourquoi, mais nous voilà. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une journée dans ma vie aux États-Unis. Quarantine, on dit ça en français? Quarantiné, confiné, confinement, voilà. Journée en confinement, c'est ça. Voilà, je suis américaine, mais ma famille est francophone. Alors, depuis que je suis née, je parle français et anglais. Alors, pourquoi pas faire des vidéos en français aussi? Et vraiment, je me sens que ma personnalité est vraiment différente quand je parle français et anglais. Il est en ce moment 7h42. Ouais, je sais, il est tôt, je me réveille tôt. J'adore me réveiller quand personne est debout. J'aime me doucher parce que je viens de faire mon sport. Je me réveille à 6h du matin pour faire mon sport. En ce moment, je fais ça et c'est trop bon. Alors, je vais vous montrer le Nike Training App. Et je fais voilà, un petit programme de 4 semaines. Et c'est trop bien, c'est pas facile, mais je vais vous parler un peu plus tard, mais je vais aller faire mon petit déjeuner. Je sais pas ce que je veux faire. Je pense que je veux un peu de... comment ça se dit ça? Le problème d'être bilingue, c'est que parfois on oublie des mots. Des mots vraiment faciles. Attends. Alexa, how do you say oatmeal in French? Bruo, voilà, on va faire un petit déjeuner. Les matins, j'adore écouter un petit podcast quand je prends mon petit déjeuner et mon café. En honneur de cette vidéo en français, je vais écouter un podcast en français. Celui-là, c'est seulement 11 minutes, mais j'adore ça. Ça s'appelle Journal d'une déconfinée. Voilà, je vais écouter des podcasts. Si vous voulez une vidéo de podcast en anglais ou en français ou tous les deux, dites-moi. J'ai dû me changer mes écouteurs là parce que les autres ne marchaient pas. Alors aïe aïe aïe. Je suis allée pour prendre mon café. Je l'ai versé. C'est pas grave. J'essaie de ne pas laisser ces choses me
perturbée, mais c'est pas idéal. Pas seulement ça pour nettoyer. Parfait. Voilà. Je pense que je vais juste boire ce qui reste. Je vais continuer d'écouter écouter mon podcast pendant que je mange là. Voilà, c'est tout. Je fais de la méditation chaque matin, c'est vraiment bon, c'est bon pour ma santé, pour ma mentalité, voilà. Puisque l'école est finie maintenant, j'ai vraiment rien à faire. Et j'essaie tous les jours d'être productive et de faire des choses pour que quand on sort du confinement, je suis on track pour... ma vie. Une autre chose que j'aime faire là, c'est lire. Alors j'ai 3 livres que je lis maintenant. Ils sont, j'en ai pas une en français en ce moment, mais je veux lire. Mais ma prochaine serait en français. Alors je vais vous montrer quand même si vous parlez anglais ou si vous voulez apprendre l'anglais. J'en ai quelques livres. Je lis toujours 3 livres en même temps pour que voilà, si un jour j'ai pas envie de lire une fiction, je lis quelque chose d'autre. J'ai toujours une fiction, alors là je lis Catcher in the Rye de J.D. Salinger. En Amérique, c'est un livre très classique, on le lit, je sais pas, en 5e ou quelque chose. Pas en 5e. Ouais, en 5e. C'est un de mes livres préférés. J'adore ce livre. Pas fiction. Alors là, je lis ça. C'est trop bien. Ça s'appelle So Sad Today. C'est un livre de courte histoire de la vie de cette femme-là qui s'appelle Melissa Broder. C'est trop bien. C'est un peu déprimant. Mais c'est, voilà, c'est honnête. C'est, ça parle de, voilà, de sexe, d'être une femme. La troisième catégorie, c'est des livres dans une autre langue qui n'est pas l'anglais. Alors, parfois je lis des livres en français, et maintenant je lis celui-là. Et oui, le titre est en anglais, mais en fait, c'est un livre moitié italien et moitié anglais. C'est trop cool. Ma maman, elle m'a acheté. Alors on a une page en italien et l'autre page, la même chose en anglais. Et ça m'aide vraiment à apprendre l'italien. Si vous ne savez pas, je suis en train maintenant de m'enseigner l'italien. Voilà. Ça, c'est mes 3 livres que je lis en ce moment. Si vous avez des recommandations, j'ai presque dit por favor. Mais c'est pas français ça. S'il vous plaît, mettez des recommandations. Alors je viens de lire pour comme 2 heures. Et il est encore seulement 10h30. Je vais juste faire des cheveux, quelque chose avec mes cheveux là parce que c'est un peu fou là. Je vais faire comme ça. C'est
horrible. Il fait vraiment froid. Alors je vais prendre un pull. Maintenant je dois me préparer. Je vais faire un petit peu de travail pour l'école. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste me préparer pour mon rendez-vous de Zoom et faire un petit peu de travail pour que plus tard je n'aurai pas besoin de faire du travail. Voilà. Alors là, j'écris un peu dans mon journal. Il est, je pense, 3h maintenant. Et je pense que dans quelques minutes, je vais aller faire une petite promenade et écouter peut-être un podcast ou quelque chose, mais pour maintenant j'ai envie de manger un petit goûter et de me préparer un petit matcha, pas un petit matcha, un grand matcha. Je veux beaucoup, je viens d'acheter ça, ce petit pot là. C'est de Girlfriend Collective, bien pour l'environnement, les vêtements sustainable. C'est le temps de faire un peu de travail et j'ai envie en fait de... Je vais parler. Attendez une minute. J'ai mon ordinateur ici qui ne marche plus, mais j'essaie de le faire marcher. Pour le temps là, j'ai besoin que celui-là marche. C'est vraiment vieux, ça fait des bruits, mais vraiment anormal. Je veux vraiment prendre ce temps et utiliser mon temps d'une façon productive. En ce moment, je suis très concentrée sur ma future, ma carrière. Tout ça pour dire, je vais travailler sur une vidéo. C'est tout. C'est une très belle journée. Alors, je pense que je vais aller faire une petite promenade, écouter un podcast et... Il n'est pas trop froid, mais il n'y a pas de soleil. Mais il n'y a aussi pas beaucoup de soleil, alors j'ai besoin de mettre un pull ou quelque chose. Mais c'est... voilà. C'est doux. Ça, je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est de Girlfriend Collective. Ces pantalons-là sont de Outdoor Voices. Mes chaussures sont des Stan Smith. Ils sont vraiment vieux. Alors, c'est un peu plus tard, 7h17 pour être exact. J'ai fait ma promenade, j'ai marché pour 1 heure à peu près. J'ai écouté un podcast, un de mes podcasts préférés. En fait, au lieu de vous dire maintenant, je vais faire une vidéo sur mes podcasts préférés. Alors, inscrivez-vous à ma chaîne si vous voulez voir cela. Je suis allée prendre une salade à un de mes restaurants préférés qui s'appelle Chopped. Et j'ai mangé ma salade et voilà, il est 7h et
J'ai rien d'autre à faire. Je vais arrêter cette vidéo ici. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voilà, mes cheveux sont vraiment fous. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez regardée, mettre un petit like. Et si vous voulez, de vous abonner à ma chaîne, parce que pourquoi pas. Je vais continuer de faire des vidéos en français et c'est aussi bien pour pratiquer la langue. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin et voilà. J'espère de vous voir encore dans ma prochaine vidéo.